Bonjour à tous et bienvenue sur les dégustations du Petit Ballon avec notre cher Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Martin. Comment allez-vous? Ça va bien, j'ai un petit chat dans la gorge. Mais il n'y a rien que mieux qu'un verre de vin pour faire passer le chat. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'on va déguster ce mois-ci? Alors moi je suis tombé amoureux, c'est-à-dire que je tombe facilement amoureux. Ouais, tous les mois. Malheureusement c'est pas des filles, c'est des bouteilles. Mais très joli vin. Vraiment, là j'étais enthousiaste. Et quand on l'a dégusté ensemble, ça a été l'enthousiasme tout de suite. Partagé. Tout de suite. Ah ouais, partagé. Alors c'est donc, le château de Corneilla. Corneilla, nous sommes dans le Roussillon, d'accord. Côte du Roussillon. On est à 5 km de la mer, mais sur les pentes pyrénéennes orientales, des Pyrénées orientales. Donc on a à la fois le côté marin et le côté montagnard, sur des cépages traditionnels, Syrah, Grenache et Carignan, mais des très vieilles vignes. Et ça donne des résultats absolument fabuleux. Donc la famille Jonquière d'Oriola, qui est célèbre pour des événements sportifs. Ah oui, vous m'avez dit ça. Oui, une belle histoire, hein, voilà, des champions olympiques. Même. Voilà, champions olympiques. Ben, moi, je peux leur donner une médaille d'or sans problème pour leur vin également. Ça, c'est beau. C'est un mélange de plusieurs cépages. 40% de Syrah. D'accord. 30% de vieilles Grenaches. D'accord. Et 30% de vieux, très vieux Carignan. Alors passons maintenant à la dégustation. Bien, ben voilà, on va commencer par... Une bonne dégustation commence par l'œil, non? Par l'œil, oui. Nous sommes dans le sud de la France, sur des cépages qui donnent de la couleur. Donc voilà, dans le verre, on a un vin très, très intense en couleur, une belle concentration, des notes violines, beau, un vin très jeune, brillant, côté un petit peu velouté à l'œil qui est assez agréable. On sent, je ne sais pas pourquoi, qu'on va avoir un vin qui a de la classe, qui a de la puissance. Ouais. Bon, c'est vrai que je connais le vin, mais il y a quelque chose qui dit que à l'œil, bon... Mais on est d'accord que normalement, si vous voyez un vin à l'œil, on ne peut pas dire qu'il est bon ou pas. Non, enfin, okay. Des fois, il a des belles couleurs, mais okay. Il n'est pas bon. Mais là, c'est vrai que ça n'a pas l'air mal. Voilà, on est sur un encépagement Syrah, Grenache et Carignan. Donc, il y a deux cépages comme le Carignan et la Syrah qui donnent des vins de très colorés. Le Grenache, pas trop, mais, la Grenache, pas trop, mais le Carignan et le Syrah, ça donne des vins assez... foncé, assez okay. Puissant. Parfait. Voilà, belle concentration. Parfait. La deuxième étape de la dégustation, c'est le nez. Alors le nez, tout de suite... Oui, alors on a une complexité de fruits. Des fois, on dit complexité aromatique, mais là, c'est complexité de fruits. On a tous les fruits. La fraise des bois, la framboise, la mûre, le cassis. On a les fruits à noyaux qui nous parlent de soleil, hein, la prune, la cerise, voilà. Donc, on a une très belle trame de fruits. Et au travers, et dans, enrobé par cette trame de fruits, on a les notes de l'élevage, mais c'est très subtil. C'est un peu poivré, vanillé, légèrement fumé, tabac. Fait. Et on sent un vin déjà harmonieux. Il n'y a pas d'aspérité, c'est tout fondu. Ouais, c'est assez enjôleur, je dirais, hein, assez charmeur, séducteur. Il n'y a pas un truc qui se dégage et tout a l'air bien. Non, c'est bien équilibré. C'est bien équilibré, c'est la classe. Ouais. Il n'y a aucune faute de goût. D'accord. C'est la classe. Parfait. Troisième étape de dégustation, c'est la bouche. La bouche est conforme à ce qu'on attendait au nez. Délicieux. Beaucoup de fruits, du velours, très. Très tendre, très soyeux, presque féminin en attaque. Puis après, il nous dit, allez, on est dans un pays catalan, on aime le rugby, on aime, voilà. Donc la puissance. Et c'est vrai qu'au palais, le vin, on a l'impression qu'il grandit. Et on a des tanins très fins, très soyeux, une belle fraîcheur aromatique avec les notes un peu réglissées, violettes, superbe. Donc la Syrah est bien là, elle apporte ça. Et puis le côté poivré, un petit peu canaille, petit coup de pouce derrière, c'est le Carignan, ce sont des vieilles vignes et donc ça donne des vins qui ont vraiment du caractère. Je trouve que c'est extraordinaire. Ouais, non, c'est très, c'est la classe. Bon, c'est un très beau château, c'est une famille d'Oriola qui sont des gens qui aiment les challenges, et que ce soit dans le sport d'ailleurs. Mais on voit bien que ce challenge est plutôt réussi, c'est vraiment la classe. Trop bien. Comment on va servir un vin comme ça? Alors, c'est un vin qui a à la fois cette gourmandise actuelle aujourd'hui et c'est un vin qui va pouvoir se garder aussi. Donc aujourd'hui, si je veux le mettre en valeur, ben, je vais le passer en carafe une demi-heure avant. On ne va pas le servir trop élevé en température. On va le servir à 15-16. On va retenir un petit peu, mais le carafage va faire ressortir le fruit
Et si je veux le garder, on peut le garder 5-6 ans, voire un petit peu plus si on veut. Il va gagner en complexité, évidemment, mais on va passer sur un autre style de vin. D'accord. Avec des notes un peu plus animales, un peu plus épicées. Et donc, on va le garder et on va aussi, bien évidemment, pouvoir le cuisiner. Alors, le vin, non, on ne va pas le cuisiner, non. Ça serait dommage. Mais on va, faire mais on va pouvoir l'accompagner de quelque chose de délicieux. Et moi, quand on a un vin qui a une certaine sophistication, une certaine classe, il vaut mieux que la cuisine soit simple. D'accord. Donc, bon, on va prendre des viandes rouges, des choses rôties ou grillées. Peut-être utiliser quelques herbes, voilà, pour jouer le côté un petit peu sud de la France. D'accord. Voilà. Et puis dans 4 ou 5 ans, on pourra reprendre les mêmes viandes, hein, que ce soit bœuf, agneau, magret de canard, et l'accompagner d'une sauce, par exemple. Moi, j'aime bien, par exemple, une canette de canard, magret de canard sauté à la poêle et déglacé avec un peu de crème de cassis. Parce que ce style de vin va bien aller avec ce style de plat. Donc, entrée, on peut très bien imaginer une petite salade. Une bonne entrecôte. Alors attention aux salades, hein, ça c'est le côté pédagogique. Hein, si la salade est accompagnée de viande composée, hein, si elle est composée, ça va. Mais si c'est qu'une salade verte, non. Hein. Je dis non tout de suite. Okay. Mais on peut même, par exemple, tu me fais penser, une salade avec un foie gras, vin rouge, c'est merveilleux, ça va très très bien. Et puis, on est dans les Pyrénées, orientales, certes, mais un bête mâle, un osso irati, une tombe des Pyrénées, que ce soit vache, que ce soit brebis ou que ce soit les deux, top. En conclusion, on pourrait dire que c'est un vin délicieux, que c'est un vin d'une famille olympique. Oui, c'est une famille olympique et le vin mérite. Et d'ailleurs, il a eu une médaille d'or, mais il a eu aussi une autre médaille d'or à nous. Et largement, parce que c'est vraiment somptueux. C'est la classe, c'est racé, c'est gourmand et ça a du caractère. Ouais. Donc, il a tout pour plaire. Parfait. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette belle dégustation. Bonne dégustation à vous tous et c'est sélectionné par le petit ballon. Merci. Bonne dégustation.